Bonjour tout le monde, on se retrouve au Golf National aujourd'hui pour une petite vidéo approche, chipping, où je vais vous montrer ce que je mets en place pour que mes ratés ne soient pas des trop gros ratés et pour que mes bons coups soient des bons coups. La première chose que je mets en place pour assurer le contact, ce qui fait 90% quand même du taf sur les approches, c'est de mettre la balle pied droit. Pour les droitiers, bon évidemment pied gauche pour les gauchers, mais en gros la mettre en arrière dans votre stance pour bien contacter la balle en premier en descendant avant de toucher le sol. Donc une fois que je mets la balle pied droit, moi je mets tout le temps la face square. Voilà, je m'amuse pas à ajouter des paramètres en ouvrant la face ou en fermant. Voilà, essayer de rester bien square et j'adapte plutôt le loft du club, donc 56 ou 52 pour moi. Si vous avez un 60, vous pouvez prendre un 60. Ensuite, les mains bien en avant. Donc voilà, le shaft, il doit être, souvent on dit qu'il doit arriver dans votre aine à gauche, ce qui permet toujours d'aider à prendre la balle en descendant. Et après, bah, je fais vraiment comme si je faisais un mouvement de putter. Je reste bien stable, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas tourner. C'est vraiment les bras et le corps qui vont traverser la balle, ne pas se stopper dans la terre ou voilà, faire un mouvement fluide. Une fois que vous avez bien la posture, vous avez juste à laisser balancer le club et voilà, toucher la balle et puis la faire aller voler jusqu'au green. Là, si je me mets sur le poteau bleu là d'en face de la Team Europe, la balle à droite, les mains devant, je traverse, voilà. Donc là on voit le petit divo, j'ai bien pris en descendant. Je me la referme alignant un peu plus à droite. Un peu forte, mais on voit, il n'y a pas de gros raté. Je prends bien la balle en premier et on la mène sur le green. Pour résumer, pour faire une bonne approche, on met la balle sur le pied droit, les mains en avant, le poids plutôt à gauche. Et on traverse bien, on ne s'arrête pas à planter le club dans le sol, on traverse bien, on tourne, et la balle elle va sur le green, et on fait plein de birdies.